Alors là on est chez Lexus. Voilà donc l'intérieur Lexus qui est assez cossu, assez bien fini. On peut voir qu'ils ont un écran en guise de... toujours un écran à la place des compteurs quoi. Et c'est relativement bien fini quoi. C'est vraiment une voiture qui donne envie. Faut voir la taille de l'écran quoi. On dirait un avion. La finition de cette voiture, vous voyez les petites surpiqûres, enfin tout est bien agencé quoi. Après c'est vrai que Lexus du coup faut aimer. C'est vrai que c'est une marque qui est encore un peu confidentielle en Europe mais qui quand même se démocratise. Donc là on a le RXL, le RX un peu plus long en fait que les autres. Alors je sais plus combien de centimètres plus long. Donc la marque qui se démocratise, vous voyez la calandre spécifique à toutes les Lexus. C'est un modèle qui se voit pas tant que ça en France. Par contre en Suisse c'est un modèle qui se voit de plus en plus. Après dans la gamme Lexus, alors là on a la chance de voir un Lexus RXL découpé. On peut voir que nos deux petites amies suisses voulaient absolument monter dans le Lexus. Et elles ont l'air d'être... Alors ton avis? Je vais arrêter les hommes, je vais prendre la voiture. Papa, je suis naïve. Je suis tombée amoureuse. Alors, on vous l'a pas encore dit, mais la passion de cette femme, c'est les pneus. Ah, moi j'adore. Plus le pneu est gros, plus ça va lui plaire. Pour moi, une voiture, il faut que le pneu arrive, en tout cas, plus haut que mon genou. Sinon, j'aime pas. Bon, heureusement que tu fais pas 1m80 au final. Mais moi, je suis petite, mais j'aime les grandes voitures. En même temps, c'est jamais déplaisant d'avoir une grande voiture. C'est la classe. C'est bon, le prix c'est... Le prix. Ça va encore. 98 000. 100 000 francs. 100 000 francs, les amis. Je disais, 100 000, ça va. Sous mon colchon. Ouais, bien sûr. Le matelas. C'est ma prochaine voiture. Elle va se prostituer, après elle revient. Mais non. Est-ce que les hommes peuvent se prostituer? Bien sûr. Aussi. Je vais le faire alors. Je vais le faire pour acheter la voiture. C'est vrai? Oui, en plus, ça c'est injuste. Faudrait que j'essaye. Comme quoi, les hommes sont toujours mieux payés. C'est pour ça que tu les vois pas dans la rue. Parce que nous non. Les filles qui se prostituent, pas nous. Non, je ne traîne pas avec des prostituées, vous inquiétez pas. Les vieilles riches qui vont se payer la voiture, les habits à bouffer. C'est vrai que les cougars, ça paye. C'est ça, hein. Par contre, il faut pas être genre petit chien. Bon, après, c'est vrai que cette vidéo, elle commence à partir en sucette. On va peut-être couper des choses au montage.